Tu l'as ? C'est marrant. Pourquoi mon wifi remonte? Ouais, ça en est un, donc il y a bien un gros là. Donc c'est ça que j'ai vu en fait. Ouais, mais il montait, mais pas plus que ça quoi. Putain, c'est des feignants les gros. Je vais bien descendre un peu, mais pas trop, parce que je vais être. Si je le touche, c'est bon, risque à ça. J'étais où? J'étais pas là, je sais même plus quoi, pour le coup, la merde. Ouais, donc ça était bien. Là, là, tu vois comment c'est marrant. Oh, il monte, toi. Asse-toi, vas-y, faire. Non. Tu l'as, là, vas-y, recule. Vas-y, c'est bon, c'est toi qui l'as. C'est pas moi qui. Viens vers moi si t'as peur. Il est gros, bébé. Reste là, va pas trop là-bas. C'est bon, je vais là. Ta main, fais gaffe, c'est bon. Par contre, tire pas trop parce que toi, t'es monté fin par rapport à moi. Il vient vers moi, Ouh. Mon gros. Oh là là, tu m'as fait souffrir. Oh, j'ai oublié. Je jouais plus gros, moi. Oh là là. Fais gaffe. Reste là. Oh, je suis content. Il a une tête large, lui aussi. Hein. Il est pas énorme, mais il a une tête large. Hein. Je pense qu'ils sont un peu plus sauvages ici. C'est bizarre. Hein. Ouais. Mais là, c'est une bidon, hein. Moins 30. Mais c'est pareil, il est court. Mais il est large. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Quoi. Fais gaffe, ta canne à pêche, là. Bon, vite, parce que si j'en ai un qui me prend là, je tiens plus la canne et pas dans la merde. T'es. Alors, photo. Allez, le release du big, semi-big, demi-big. Allez, mon gros. Tiens-le bien par contre, parce que les gros en général. Là, et voilà. Voilà. T'es contente? Ah oui. Les pouces bleus pour toi? Ah bah là, oui. Allez. Je rentre du travail, je te rejoins. Après le big, là on a vu un gros écho. Journée, et là, tiens, je viens de le voir. Hein. Regarde. C'était lui là. Oh, j'avais raison, c'est pas le même. Tu vois, c'est un big. Ah, c'est la tâche, comme les marrons. Il me l'attaque pas. Non, il n'a pas deux. Non, mais il est big. Putain, j'hésite. Ah, attends, il monte dessus. Touche en direct, les gars. Ouais, touche. Ah, il a lâché. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, poisson. Ah, putain, c'est gavé là. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas un big. Et je sais même pas si c'est le même que celui que j'ai vu encore une fois de plus. Ah, c'est pas un gros, il met des coups de tête. C'est petit. C'est le même que toi, si je vais le rattraper quoi. Ah, c'est, tu vois, tant qu'il a des buts là, on croirait qu'il est gros. Non, il est pas gros. Hein. Ah, il part dans le large. Hein. Et cette zone là, hein. Je t'avais dit quoi? Ça sentait trop bon cette zone. Hein. Allez frérot. J'ai fait un gros. Oh. Je sais pas si j'ai fumé un touche en direct en plus, je m'en rappelle plus. Je l'ai dit, j'ai fait un touche en direct ou pas? Oh le bruit là. Oh, je sais plus. Ouais, deuxième. Ah, il en veut, ils ont de la patate. Et dans cette zone, ils ont de la patate. Hein. Ah. Ah mais il est là. C'est le même. Ah non, il est un peu plus gros. Je crois que c'est le même, on dirait le même. Il peut. Oh non, il claque de la queue, lui, il est énervé. T'as vu comment ils en sont énervés ici? Allez, c'est pas un big, mais... Par contre, non, la tâche que j'ai vue marron, c'est pas lui, alors. Il y en a encore un gros, je suis sûr. Parce que c'est pas possible, c'est pas. Ouais, il est nerveux, oh là, il est agressif lui.
Ah, il vient de faire des coups de dents là. Oh, il va être agressif. Ah, il me fonce dessus, sa mère. Allez, dents de la mère, quoi. Arrête. Il fait flipper ce connard. Il me fonce dessus. Oh, il est énervé, de ouf. Mais arrête, arrête, il va m'attaquer. Hé, hey, frère, arrête, hein. Chut. Mais calme-toi. Ça y est, c'est fini. Eh ouais, parce que je l'ai monté vite. Ah, il a dans le palais, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il a? Ils ont tous dans le palais, quoi. Oui, t'as vu, ça l'a fait deux fois. Ah non, lui, oh, il est vénère, lui. Par contre, il saigne à gauche, c'est pas normal. Hein. C'est une ancienne blessure ou quoi? Parce que je l'ai pas chopé à gauche, moi. Oui, c'est une ancienne blessure. Ouais, il a la mâchoire déformée, on dirait. Ah oui, il s'est blessé, là. Ah, c'est pour ça qu'il est sauvage comme ça, lui. Il est à moins d'énervé, le gars. Oh, les nageoires qu'il a, elles sont belles. Il a une nageoire large. Mais attends, il s'est mal. Ah oui, mais il est pas accroché à droite en fait. Il s'est passé quoi là? Je sais pas. Attends, retourne-toi, ah, ouais. Ah oui, d'accord, c'est. Tant pis, j'ai essayé un truc. Il fallait pas le faire, mais j'ai enlevé le mou pour le prendre mieux. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi il s'est. Eh, mais il est trop énervé, j'ose même pas le toucher. Oh putain, il va me bouffer. Et c'est pas lui que j'ai vu, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas lui que j'ai vu, le marron. Ça a fait décoller un deuxième qui lui a pris, mais c'est pas le marron, je vais y revenir ici. C'est pas toi qui as fait ça. Mais non, je sais pas, c'est bizarre. Il a la mâchoire un peu truquée, déformée, il a comme un abcès. Mais moi non plus. Ah ouais, regarde, il a comme un abcès. Il a, oh, il s'est... Oh non, il a un truc. Mais là. Non, il a un montage. Il a un montage. Ouais, vas-y, vas-y. Il a un montage. Il y a un mec qui... ouais, c'est un mec qui s'est fait casser. Attends, non, mais pas tes doigts, je vais l'avarer. Enculé. Donc on lui a sauvé la vie là. Ah, ouais. Il a un gros abcès. Je vois un hameçon dans sa bouche et tout. Oh merde. Oh, ouais, mais fait chier parce qu'il va être énervé quoi. Que... Donc j'ai chopé un silure qui a déjà cassé sur quelqu'un quoi en fait. Ben, ouais. Mais c'était la tresse, mais les mecs ils pêchent avec quoi comme tresse, sérieux quoi. C'est pour ça qu'il est énervé. Putain, monsieur stupide. Oh mais il est fou. C'est pour ça qu'il est énervé, double montage à la gueule. En fait, il se rappelle. Ça lui fait mal, oui. Non, il se rappelle avant de casser sur le mec, à mon avis. Ah ouais, mais il est vieux son hameçon, quoi. Ouais. Oh putain, le pauvre. Donc, du coup, il a tout pris, essayé de se l'enlever. Oh là là, ça m'aide. Attends, j'ai des ciseaux là. Ah non, mais oh là là. Oui, ça lui a fait un abcès et tout. Oh là là. Oh. Comment je vais faire ça, moi? Attends. Comment il a pu se faire casser le gars? Ah, les tripes qu'il a utilisé, le mec. Il est accroché celui-là? Non, il est pas accroché. Il y a le Attends. Méridions, il y a... Ouais, mais moi il faut que je me stabilise, je peux pas là. Bouge pas, frère, je vais te sauver la vie là. Oh, putain. L'ado. Ouais, ça parce qu'en bas je comprends rien, je crois que c'est passé par Louis. Ouais, c'est ça, c'est passé par Louis, je comprends pas. C'est épais, hein, presque là. Non, mais dessous. Ah ouais, c'est passé par. Coupe ici. Ah putain, c'est pas mieux. Attention, moi là. Et pas ça pour l'offre que si, sinon, vas-y, coupe. Oh mais le triple qu'il a utilisé le gars, mais il est épais de ouf quoi. Ah c'est bon, je lui sors tout. Ça y est, on a sorti ça. Je vais le garder. Il y avait les mérillons. Le problème c'est qu'il a une autre hameçon. Mais là il... Attends, il y a autre chose? Oui, le mérillon. Ouais mais lui il va passer par l'intérieur je pense. Ah c'est bon. C'est bon, j'ai. Ouais. Donc il a pêché. Ça c'est un mec qui a pêché au cassant ou au vif quoi. Ah, peut-être... Pas. Non peut-être pas au cassant. Peut-être pas au cassant mais. Bah après ça arrive hein. Après il a les mérillons dans le lit. Parce que en fait si ça lui a fait un. Ah, c'est bon. Voilà. Oh là là, on lui a sauvé la vie là, vraiment. Hein. Allez, allez, repars. C'est bon, tranquille. Là il est libéré. Waouh, nickel. On a sauvé la vie. Un silure, je vais montrer tout ce qu'il avait dans la gueule. Voilà tout ce qu'il avait dans la gueule. Putain, mais les mecs, vous pêchez avec des trucs, c'est des patates quoi, sans déconner quoi. Il avait tout ça dans la gueule.
un gros triple épais de fou, je sais même pas ce que c'est comme triple, laisse tomber l'épaisseur. Mais c'est très vieux, c'est très très vieux. Putain, il avait ça dans la gueule depuis un moment quoi. Un gros hameçon. Donc à mon avis c'était pour pêcher au vif. Et ah c'est très vieux, je sais pas en vrai. Parce que c'est une agrafe Matcat, hein. C'est la même que j'utilise. Ah. Et apparemment je sais pas où il aurait pété, mais il a pété au-dessus de l'agrafe. Donc à mon avis c'est un mec qui avait une fragilité sur sa tresse au final. Ça s'est mêlé et tout, et puis là c'est resté. Donc voilà tout ce qu'il avait. Pendant un petit moment quoi. Voilà. Fin de session, on sauve la vie au silure. Tu vois, t'as attrapé un bombe pour le sauver. Et voilà. Il y a beaucoup de tresses, au final j'ai tout enlevé, il va pouvoir mieux guérir, se remettre un petit peu j'espère. Et puis voilà, et bien ça va partir à la poubelle.